Good morning, allez, Iden, les tues aujourd'hui, les lunis, matrivka, batra, rachel, rachel, batra, peggy, batester, lisa, lisa, bat, frecha, zara, bat, mazal, tov, shishportish. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, perigimel, Mishnah, bet. Amarlo, neeman, alai, abba, neeman, alai, avicha, neeman, im, alai, shloshar, e, bakar. Rabbi Meir Omer, yachol, achazor, bo, vachacham, yamorim, eno, yachol, achazor, bo. Ayach, ayav, lachadro, shvua, vamarlo, dor, li, bechaye, roshecha. Rabbi Meir Omer yachol lachazor bo. Vachachamim omrim, eino yachol lachazor bo. On parle dans notre Mishnah des deux parties qui ont accepté de se faire juger par un juge non valide. Par exemple, un proche parent des deux parties. Comme la Mishnah nous dit, Amarlo ne'eman alai abba. Celui qui a dit à son adversaire, la partie adverse, ne'eman alai abba, j'accepte de me faire juger par mon père. Ce que mon père dira, je l'accepte en tant que verdict. Ou encore, ne'eman alai avicha. J'accepte ce que dira ton père. Donc, on va, au lieu de comparer devant un tribunal normal, on va comparer devant un tribunal qui est, en théorie, inapte, comme on apprend dans le prochain Mishnayot, un proche parent, c'est quelqu'un qui ne peut pas juger. Et donc, on a pris sur nous de se faire juger. La question est de savoir, est-ce qu'après coup, on peut se rétracter ou non? La Mishnah nous enseigne, ou encore, un autre cas de figure, « Ne'mani malay shlosha ro'e bakar » J'accepte de me faire, je croirai, ouais, Neheman, être Neheman, c'est de croire, se fonder. Je me fonderai sur Shlosha Roye Bakar, trois bergers, des gens simples qui connaissent pas la Torah, mais je me dis, c'est pas grave, ce qu'ils prononcent, j'accepte. Alors, peut-on se rétracter après coup? Rabbi Meir Omer, Yachol Achazor Bo, Rabbi Meir Ansiret, qu'il peut ensuite se rétracter, se retourner et dire, non, finalement, je préfère comparaître devant un vrai Bet Din, Bachachamim Omrim. Eino yachol lachazor bo, et Chachamim enseigne qu'il ne peut pas se rétracter. Soit, puisque j'ai accepté de me faire juger par ton père, une fois que ton père a prononcé le verdict, je ne peux plus faire machinerie. Quelques précisions quand même sur cette discussion. De quel cas précisément il discute, il va falloir distinguer, il y a trois paramètres en réalité. On va d'abord présenter le cas tel qu'il se présente. On parle précisément du cas où je dois vous réclamer que je vous donne quelque chose. Que je vous donne, que je vous rende une dette, que je paye une dette, que je vous cède une maison, que je dois vous rendre, peu importe, d'accord? Quelque chose que je dois vous donner. Et alors, sur ça, il y aura la discussion. Chachamim disent, depuis le moment où le verdict est prononcé, je ne peux plus me rétracter. On déduit de là, et Rabbi Meir dit que non, on peut quand même se rétracter malgré tout. On déduit de là deux choses. Tout d'abord, que tant que le verdict n'a pas été prononcé, même si le père a commencé à recevoir les témoins et j'ai commencé à me dire oi oi oi, je vais me faire condamner, je suis encore en droit de me rétracter. Chachamim sont d'accord que je peux me rétracter étant donné que le verdict n'a pas été prononcé. Premier point. Deuxième point important, c'est, j'ai insisté sur le cas, ça c'est plus ce que je vais vous dire, ce sera pas précisé dans le Tosot Yom Tov, mais plutôt dans la Gemara rapportée dans le Bar Tanoura, mais ça sera rapporté dans le Tosot Yom Tov, au nom de la Gemara. Que deuxième cas de figure, c'est le cas où au lieu que je vous donne quelque chose, je vous cède, j'accepte passivement de ne plus réclamer une chose. Vous voyez deux situations. Il y a le fait où le verdict va m'imposer de donner quelque chose, et il y a une situation où le verdict va me supprimer le droit de réclamer. Ça s'appelle une méchila. Je vais vous pardonner une dette, vous effacer une éponge, vous effacer une dette. Alors, dans un cas pareil, même Rabbi Meir sera d'accord qu'une fois que le verdict sera prononcé, il y aura eu une mechila. D'accord? Pour la simple raison que, en fait, selon Rabbi Meir, je peux me rétracter en me disant ce qu'il m'a imposé de donner, je ne vais plus te le donner, je le garde. Mais par contre, si j'ai accepté bemechila de supprimer une dette, d'effacer une dette, une ardoise, alors là, depuis le moment où ce sera prononcé, c'est effacé. Puis étant donné que ça ne réclame pas, ce ne sera pas un verdict qui va imposer, qui va requérir une action de donner, mais plutôt tout passivement, de ne plus réclamer, alors la mechila, elle se passera passivement. Ça, c'était la première double précision, donc les deux paramètres. Donc, le cas d'avant le verdict, où même Chachamim pense qu'on peut se rétracter. Et le cas aussi où c'était un verdict qui impliquait de ne plus payer, donc passivement, où même Rabbi Meir sera d'accord que dans ce cas-là, on ne pourra plus réclamer. Il y a aussi un autre cas précis, qui s'appelle le cas de Kanu Miyado. On fait un Maase Kinyan, un acte d'acquisition. On a dit qu'on va se faire juger par papa, mais on ne s'est pas contenté de ça. On a dit, ben viens, on fait un acte, qu'on s'engage avec un acte d'acquisition.
D'accord? Ensuite, vous allez, on va faire avec un Kinyan Soudar, si vous avez déjà vu dans une Khoupa, par exemple, on demande au témoin de lever un foulard et comme ça il acquiert. On peut même le faire avec la kippa, il y en a qui sortent les kippas dessous le chapeau, on peut le faire avec un stylo, je vous donne le stylo, vous soulevez, vous me donnez votre stylo, je le soulève, après on sort les stylos. Par là, on a fait un acte d'acquisition qui nous engage plus, on ne pourra plus du tout se rétracter, d'après tous les avis. Et même, même s'il n'y a pas eu de Gmardine, si je ne me trompe pas, je suis quasiment sûr de mon coup, on verra, j'espère que le partenaire ne dira pas le contraire, au pire on corrigera. Ça c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est le même principe. Avec, cette fois-ci, on ne va plus parler de se faire juger devant une autre personne, mais on va plutôt dire comme ça. Aya chayav la chavero shvua. Je devais, ou bien non, vous deviez me jurer que vous ne me devez pas la dette, par exemple. Ou, d'accord, une situation où il y a une shvua, un serment entre nous. Je suis en droit de vous faire jurer. Alors pour vous faire jurer, je dois vous traduire. En justice, vous amenez au Bet Din et on va vous donner un Sefer Torah dans les mains. Vous allez jurer, on apprendra tout ça dans Mesrat Shvuot. Il y a plusieurs halachot selon le niveau de Shvuah. Vous devez prendre un Sefer Torah, on va vous faire peur, on va vous menacer. Et sur ça, je dis, allez, venez, on règle l'histoire tout de suite. Jurez-moi tout de suite sur votre tête, la tête de ma mère. D'accord? Bon, jurez-moi tout de suite en disant comme ça. Yachayav la chavero Shvuah. Il avait une dette qu'il devait lui jurer qu'il ne lui doit pas ou qu'il lui doit. On précisera, il sera important de préciser est-ce que c'est quelque chose qui lui doit ou qui ne lui doit pas. En tout cas, va marlo, dors les bechaïr rochra, jure-moi sur ta tête, dis-moi tout de suite, allez, vas-y, on conclut l'histoire, dis-moi, je te jure, ce que tu dis, j'accepte. Et après coup, il a juré, et je me dis, espèce de menteur, je vais t'amener au Bet Din et on va te faire peur, on va te donner le Sefer Torah, non, je suis sûr que là-bas tu diras la vérité. Est-ce que je peux maintenant me rétracter ou bien c'est trop tard? J'ai affirmé que si tu me dis, dors-lis, ça veut dire jurer ou faire un néder, ça vient du mot néder. C'est le même principe en tout cas. Jure-moi mais quelque chose de beaucoup plus light. Est-ce que je vous ai dit maintenant, jure-moi et je t'acquitte, ou jure-moi et je te donnerai. Alors maintenant vous avez concrétisé votre part, vous avez réalisé votre part, d'accord, vous avez juré. Alors Rabbi Meir, même principe, Rabbi Meir Omer Yachol Achzorbo, Rabbi Meir pense qu'il peut se rétracter malgré tout. Je peux te dire, non, finalement, c'était du bluff. Cette joie, elle n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Je t'amène au Bet Din et on va te prendre, on va te mettre devant le Aaron à Kodesh. Tu vas prendre le Sefer Torah, tu vas jurer, tu n'auras plus peur. Je suis sûr que là, tu vas bien reconnaître. C'est déjà trop tard. On parle de nouveau, sur le même principe. On ne parle pas de quelque chose où il lui dit, Ani mochel lecha, je t'acquitte, mais plutôt, et je te donnerai. Le même principe que dans la première partie de la Mishnah. Et on a fini la Mishnah. On fait à présent le Barthénois. Ne'eman alay abal yot dayan. Je crois sur moi, j'accepte de donner toute la crédibilité à papa. Liyot dayan, pour être un juge. Aval pishu pasul minatora ladunani. Bien que mon père soit quelqu'un qui n'est pas apte à me jurer selon la Torah. Lolizhut velolichova. Ni pour me condamner, ni pour m'acquitter, ni pour me condamner. Kedenafkalan mi lo yumtu avot albanim, comme le pasouk nous enseigne lo yumtu avot albanim. On aura l'occasion de reparler de ce pasouk dans la prochaine Mishnayot. Lo yumtu avot albanim, ça veut dire les pères ne mourront pas par les enfants, soit un enfant ne mourra pas qu'on prononçait une sentence contre son père, il ne peut pas le juger. Ou encore, ne'emanim alay shlosha roe bakar, la doun. Ou bien j'accepte de croire, de prendre sur moi le verdict de trois bergers, la doun, pour juger. Pourquoi c'est important de préciser? Précision. Parce que la première partie de la Mishnah peut aussi être expliquée sur le fait que j'acceptais comme témoin de prendre mon père ou ton père. Ce que ton père dira, j'accepte. En théorie, votre père ne peut pas témoigner contre moi ou même pour moi. Puisque ça nous concerne à nous, il est proche parent, il ne peut pas témoigner. Mais là, j'ai accepté de témoigner. La Gemara évoque une éventualité expliquée dans la Mishnah. Mais quoi qu'il arrive, pour la deuxième partie où on parle des trois bergers, on parle uniquement des juges, parce que des bergers, ce sont des témoins cachers. C'est ce que le partenaire nous dit. Ne'emanim alay shlosha roe bakar. Trois bergers sont... J'accepte de me faire juger, j'accepte de croire trois bergers, la doun pour juger. Pourquoi? Deilo les doutes, parce que si tu veux parler d'un témoignage, et doute, un témoignage, un aide, alors roe bakar kshirin, de toute façon, les bergers sont des gens cachers, de toute façon. Donc on parle ici du juge. Rabbi Meir Omer, Yachol Hazor, Bo Rabbi Meir enseigne qu'il peut se rétracter. Ve'afilu le'achar gmardin, et même après que la sentence ait été prononcée, le verdict a été prononcé, le'achar shikibel adayan haedut, ve'amar ishploni atachayav, atazakai, après que le juge ait reçu le témoignage et ait ensuite prononcé, tel ou un tel, tu es acquitté, tu es condamné.
peut-être quoi être mes palpels, mais on avance. Il ne pourra plus, le Chachamim pense qu'il ne pourra pas se retracter. La Har Gmar Din, après que le verdict ait été prononcé, Bilvad Hu de Pligar Rabbanan à l'aide de Rabbi Meir. Uniquement dans ce cas-là, discute Chachamim sur Rabbi Meir. De Ilo Kodem Gmar Din, par contre, avant que le verdict ne soit prononcé, Modim Chachamim Rabbi Meir de Achol Arzbo. Rabbi Meir et Chachamim sont d'accord, reconnaissent Rabbi Meir qu'il pourra se retracter. Au cas de figure, Vilkanou Miyado, et si ils ont fait l'acte d'acquisition, comme on a dit, avec le soudard, avec le foulard, Nami, aussi, chez Mekabel, alav ladun ishploni, edut ishploni, odino shelploni, qu'ils prennent sur nous de, j'accepte, avec un kinyan soudard, que ton frère vient de témoigner, pour moi ou contre moi. J'accepte. Et on fait un assez kinyan, odino shel ishploni, ou bien le jugement de telle personne. Afelo kodem gmardin, on y a cholor zorbo, le Barton aura dit, même avant que le verdict soit prononcé, on ne pourra plus se retraiter. Chez en leachar kinyan klum, parce que c'est une règle, une fois qu'on a fait un acte d'acquisition, c'est fini. On ne peut plus revenir sur un acte qui a été réalisé. Il y a un petit pile-poule sympathique dans le Sotum Tov, rapportant au nom du Génome QSF. Une grande question, cette fois-ci, c'est un acte d'acquisition sur du vent. On ne peut pas acquérir des paroles, Kinyan Dvarim, ça s'appelle. D'accord, il y a des réponses, là n'est pas notre sujet. Dorli Bechaye Rochra, jure-moi sur ta tête. Ne Dorli Bechaye Rochra, juge-moi sur ta tête. D'accord. Est-ce que tu me réclames, je te le donnerai. Regardez que le Barthénois, là, il a parlé du cas où vous allez jurer et je vais vous donner. Alors, et à plus forte raison, si encore, on parle aussi du cas où, si je te dis, je t'acquitterai de ce que tu me dois. Et qui lui a juré, ou qu'il a fait un acte d'acquisition. Et dans ce cas-là, si on a fait l'acte, le Masikinyan, même s'il n'a pas juré, je ne pourrai plus me rétracter. Et on ne pourra plus se rétracter. Et ainsi est établie la halakha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.